Vous trouvez actuellement dans le château de Voisy-Garieux, qui était la demeure des comtes Voiran, les fils de Londumaille et Dumaille, qui étaient eux-mêmes les barons perpétuels de la branche bâtarde, des barons Jolicoeur aux Irpions, font rater des colonnes à Bombourg. Dites donc, si vous suivez pas, faites attention. Mais oui, oui, c'est pas bien, je l'ai appris par cœur. Regardez vos obscurs. La grand-mère, écoutez, suivez-moi, vous riez, là. Gardez les enfants, ils sont sages. Puis tripotez pas vos baskets comme ça, voilà. Bon. Et où j'en étais? Oui, qui étaient les enfants ratés des colonnes à Bombourg, eux-mêmes descendants du roi, des enfants d'un second lit. Et à propos de lit, tout à l'heure je vous en montrerai rien, hein, dans lequel il a dû se passer des trucs et des machins qu'on n'a pas osé écrire sur les cartes postales à cause des beaux-arts. Vu qu'ils ne veulent pas de choses légères dans les causeries historiques. Non, enfin, entre nous, je peux vous dire que Diane de Poitiers et Henri II, hein, dit, bon, hein, ils ont fait la fortune des menuisiers. Bah, c'est la continuation. L'animé, sur moi, vous voulez l'animé, faites attention, hein. Mesdames et messieurs, arrêtons-nous un instant dans cette salle qui a été restaurée sous la restauration et qui servait de restaurant aux artilleurs de François Ier. Là où je mets mon pied... Non, c'est pas là où c'est... Ah, c'est là. Là. Ah, en fait, c'est là. Là. Il y avait quelque chose de beau qui a été cassé en deux en 89 et en 48 en 4. Rectification, en 4 en 48. On n'avait jamais su ce que c'était. Et ça devait être beau et très rare, puisqu'il y en a plus. Par ici, la continuation, vous êtes prié de ne pas faire des pornographies sur les murs. Mémé, qu'est-ce, où vous allez, mémé? C'est le chauffage central, par là. Oui, mais c'est important. Par ici, la continuation. Mesdames, messieurs, ici, un petit tableau. C'est, vous avez ici, Léonard de Vincennes, et à côté, Angelot Pommier. Et ici, ce grand tableau, c'est un chef d'œuvre. Le grand barbu en rouge, c'est Richelieu. On lirait pas. Et à côté, le petit bonhomme en gris qui tripote des papiers, c'est son père, Joseph. Vous me direz que le père a l'air plus jeune que le fils. Et ça, c'est l'histoire, il y a des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Comme dit ma femme, quand elle veut visiter finement le château, dites, hein, Diane de Poitiers, Henri II, et la fortune des menuisiers. Ça mémé, où est-ce que vous allez par là? Non, c'est les labyrinthes. Je connais pas le château. Restez ici. Mémé, donnez la main. Mémé, la main, mémé. Mémé, la main. Mémé, mesdames et messieurs, sortons quelques instants. Mémé, dans cette cour, d'abord, pour que je vois si la cheminée fume toujours, ce qui prouvera que le ragoût mijote, et d'autre part, pour que nous nous penchions ensemble au-dessus de ce puits. Mémé, vous penchez pas trop, c'est... Je le rattrape par les baskets. Mémé, attention, c'est un vrai puits, ça. Mesdames et messieurs, ce puits d'apparence moderne, malgré son toit en plexiglas et son pourtour en duralume, est un puits qui a été commencé de construire en 1212 par les Espagnols, continué en 1313 par les Portugais, repris ensuite en 1414 par les prisonniers autrichiens et terminé en 1515 par les Espagnols qui étaient revenus pour le finir. Ils cherchaient de l'eau. Mais ils ne trouvèrent que de l'eau saumâtre. Qu'est-ce que vous dites, mémé? Quoi? Ils l'urent sec, oui, bien sûr. Non, ils l'urent pas sec. Ils l'urent amer. C'est de l'eau saumâtre. Car ils cherchaient de l'eau pour boire. Et à propos du mot pour boire, rappelez-moi de vous dire quelque chose en sortant. Comprenez-vous? Et ce puits est resté français depuis. Et vous? Il est même resté religieusement français, car on dit que c'est un patrimoine. Mesdames, messieurs, continuons la continuation. Ici, derrière cette porte, j'ai pas la clé d'ailleurs, même si j'avais la clé, je n'ouvrirais pas. Il y a des trésors, des fabuloseries, des magnifiques. Il y a des couronnes en forme de couronne, des nickels, des or, il y a tout. Et il y avait, parce que depuis le temps, il y avait des trésors, des ors, des choses, des colliers surtout. Il y avait le collier de Diane de Poitiers sur 6 rangs. Et le travail, il y avait 8 kilos. Bon, en 45, il n'y avait plus que 2 rangs. En 69, il n'y avait plus qu'un rang. Et il y a 8 jours, il n'y avait plus que 2 perles. Il y avait juste des boucles d'oreilles. Et hier, il y a un gars, je ne me suis pas méfié, il était que ça m'aimait. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'une perle. Enfin, je vais vous la montrer. Voici la perle de Diane de Poitiers. Attention, hein, mettez pas les mains dessus. Hein. C'est la... Et où est la perle? Oh, hey, où est la perle? Mémé! Mais non, c'est pas un bonbon, mémé! Qu'elle avale la perle, maintenant! Mesdames et messieurs,
continuons encore la visite et arrêtons-nous quelques instants devant cette fenêtre qui a été ouverte à votre attention. En vous penchant à gauche, non mais pas à droite, à gauche. Ah oui, je sais bien, vous voyez rien par là. Mais non, c'est les toilettes par là. Oui. Mais en vous penchant à gauche, vous apercevez la tour, la fameuse tour du prisonnier, le prisonnier de la tour, comme c'est écrit dans Lady Mitchell. Eh bien, ce prisonnier de la tour, savez-vous ce qu'il a fait, ce type ? Nourri, logé, blanchi, pas de loyer, pas d'électricité, en remerciant, c'est ce qu'il a fait, il s'est évadé. Il s'appelait Edmond Dantel, le comte de Monte Cristo. Mon écriteau, etc. Et vous apercevez en vous penchant un peu plus, mémé ! Ah ! Petite friponne ! Vous apercevez une statue en marbre. C'est Marguerite Mucoucoulier, la patronne des cueilleurs de figues. Elle est en marbre. Et à côté, vous voyez une autre forme en noir. C'est ma femme, Mathilde, qui revient du charbon avec ses deux cabans. Et vous, Mathilde est revenue. Ça veut dire qu'il est minuit moins le quart, hein, qu'on va bientôt passer à table et que la visite est terminée. Mesdames, messieurs, n'oubliez pas le guide, s'il vous plaît. Vous avez passé quelques instants au milieu des arts, des lettres et des lois. N'oubliez pas le guide, c'est pas qu'il aime le gain, mais à parler sans arrêt, il fait soif. Merci, oh, des francs suisses, merci, monsieur. Des, la grand-mère, pas par là. Des lire. La grand-mère, c'est les oubliettes. Bien, mémé, faites la planche. Bien, vous en faites pas, je la reprendrai en nocturne.